Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour la partie 2, l'épisode 2 de Super LOL Saga saison 3. Hop, on avait fait 40 minutes de jeu à peu près pour le premier épisode. Ah, et on était rendu ici, très exactement. Alors, j'ai un petit peu joué dans mon coin, vite fait, pour faire des tests pour la capture. Et j'ai vu que Mario a une nouvelle danse quand il gagne un niveau, parce que là il va gagner un niveau juste après ce combat. Et une magnifique danse vraiment de toute beauté. Avec ce déhanché, attention. Très viril. Attention. Wahoo! 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 Mamma mia! Laisse-moi kiffer la gaule avec mon mec. Alors on va mettre en attaque. Il faut attendre le bon moment. Il y a un petit 5. Oh là là. Bon, c'est pas grave. 3, c'est quand même pas mal. Alors, c'est quand même sympa, 3. C'est quand même pas mal. Du coup, voilà, il y a des ennemis. Hein. Vous connaissez la chanson. Transition Luigi. Qu'est-ce donc, hein? Une énigme très très compliquée, hein? Très très compliquée. Yeah. Oh là là, mais quel talent. Incroyable. Je sais pas comment j'ai fait. Ah, Chippy, de retour. Il a vraiment inspiré tout un tas de bric-à-brac. Peut-être qu'on trouvera quelque chose d'utile. Cette caisse, on devrait pouvoir la casser. Ouais, bon, Bowser, c'est un aspirateur, quoi. Hop. Maintenant, avec ce puissant moteur numérique, une nouvelle ère commence. Dyson a réinventé l'aspirateur sans fil. Ce n'est certainement pas un appareil d'appoint. Le Dyson Cyclone V10 devient maintenant votre aspirateur principal. Pour nettoyer en profondeur dans toute la maison. Tellement puissant que nous avons arrêté de développer des aspirateurs avec fil. Oh, qu'est-ce donc? Vous avez trouvé une pièce d'attaque du dépotoir. Ça vous en fait un. Il reste encore 9 pièces d'attaque dans le dépotoir. Mais c'est une pièce d'attaque! Bowser avale vraiment n'importe quoi! Pour nettoyer en profondeur dans toute la maison. Vous ignorez ce que c'est? Les pièces d'attaque sont des fragments installés par les développeurs. Des fragments d'attaque spéciale, voilà. Rassemblez les 10 pièces d'une attaque spéciale pour pouvoir l'utiliser. L'attaque spéciale, je vous expliquerai plus tard. S'il y a une pièce d'attaque ici, il doit y en avoir d'autres dans les parages. Cherchons-les! Ok, ouais, mais d'où viennent ces pièces d'attaque? Ah, je ne sais pas! Merci pour ces explications claires et concises, Madame Chippy. Voilà. Il en reste 6, attention, c'est très difficile, les enfants, là, là. Il faut avoir du talent, Ah, là, il faut bien voir où sont ces petites pièces, où sont cachées ces pièces. C'est très compliqué. Attendez, mais c'est de la merde, ce jeu! Vous pouvez pas sortir ça comme ça? Bon, c'est pas si mal! Ah, c'était très ardu. Je vous cache pas que j'ai coupé une heure de vidéo, attention. Vous avez rassemblé toutes les pièces d'attaque du dépotoir. Vous avez obtenu une nouvelle attaque spéciale. Vous avez rassemblé toutes les pièces d'attaque. Vous pouvez utiliser une attaque spéciale. Ah bah merci. Les attaques spéciales sont des attaques très puissantes. Grâce à elles, vous pouvez prendre l'avantage en combat. Ploum, 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 ploum. Du super shotgun, ou encore le... du fusil à plasma. Mais ouais, je sais, je l'ai fait bien. Ah bah, j'ai pas les bruitages ou quoi, je le fais moi-même. Avec les flèches. Ah, vous pouvez maintenant utiliser l'attaque carapace verte. C'est trop faux. Tiens. Hé, regardez, une fois que vous avez acquis une attaque spéciale, vous pouvez en voir une démonstration et vous entraîner à la réaliser depuis le menu. Si vous regardez la démo avant de l'utiliser... Non, plus tard.
D'accord, mais n'oubliez pas que vous pouvez voir une démonstration des attaques spéciales depuis ce menu. Non mais la ferme. Non mais tu devrais être endormi, toi. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié. T'es con. Ça tombe bien. Mario, Luigi, utilisez votre attaque spéciale pour les vaincre. Mario, Luigi, grâce aux pièces d'attaque que vous avez trouvées, vous pouvez utiliser une attaque spéciale. Voulez-vous que... Mais non, mais vas-y, là, t'as entendu Bowser, frère. Ferme ta boîte à camembert, là. Ah bon? Ah bah, faites comme vous voulez, hein. Hop. Ah ouais, vas-y, moi je joue mieux qu'eux, là. Ah ouais, mais ils sont pétés, là, ils savent pas jouer. Vas-y, moi j'aurais tiré entre les deux ennemis, là, ça aurait fait but. Vas-y, là. Ah, ils comprennent rien, là, ces moustachus, là, vas-y. Ah, je me casse. Vous pouvez voir des démonstrations, des attaques spéciales et vous y entraîner. Pour cela, il vous suffit de sélectionner des mots dans le menu étoilé à tout moment. Je suis pénible. Ah bah ça tombe bien. Vous avez trouvé des marteaux. Avec ces marteaux, vous allez pouvoir casser plein de choses. Appuyez sur R pour changer les icônes et... Mais vas-y là. Tout le monde a vu la saison 1 de Super LOL Saga là. On n'a pas besoin de refaire un speech là-dessus. Vas-y là, il faut passer ce mode tuto là de mes fesses. C'est bien ma bouche, vous avez réussi à utiliser le marteau. Oh vas-y, il fallait forcément qu'ils remettent des ennemis pour les marteaux là. Vas-y là, mais on connaît la saison 1 et la saison 2 là, y a pas besoin de se tracasser le champignon là. Vas-y. Ah non, t'expliques rien là, toi là. C'est le chippy là. Alors voilà, il sélectionne le marteau. Voilà, c'est très technique hein. Bah Luigi, il a pas encore évolué donc il a une attaque vraiment pourrave. Hey, je suis Stargiel, respecte-moi un petit peu. Mario, face aux attaques de ce monstre à épines, je ne pense pas que vous pourrez sauter. Il va falloir... Mais vas-y, mais on le savait déjà là, Mario il l'a explosé au marteau. Oh là là, c'est pas possible cette chippy. Ah mais... Mario il est trop cool là, il dit rien. La défense au marteau est plus compliquée. Oh là là. Ah mais elle parle pour rien dire là. Oh là là, évolution du meilleur du King. Le stagiaire ultime, Luigi. Et ça c'est beau. Mais moi aussi, je suis fan de moi. Ah, qu'est-ce qu'on peut mettre? Oh par contre là Luigi, non, arrête de danser là frère. Ah t'es pas fait pour la danse là. Attends, on te met sur n'importe quelle chanson, là, c'est une catastrophe. Ah, peut-être sur du rap. Ah, j'avoue que là, petite danse un peu de rappeur. Ah, pourquoi pas, mais on va pas te mettre dans du Michael Jackson. Ah, le funk, c'est pas pour toi, frère. Ah, ces petites concentrations... Oh là là, oh la catastrophe, oh là là, oh il va perdre sa casquette. Plus un, oh vas-y. Oh la loose. Ah, le stagiaire n'est pas en forme, décidément. On est enfin sorti de ce dépotoir. Il y a d'autres salles dans le corps de Bowser. Les cercles indiquent une salle. Suivons le chemin pour explorer de nombreuses salles. On peut se déplacer avec plus pour rentrer dans les salles. Salsa, salle. Salsa. Ou bien toucher l'endroit où on veut se rendre. Je me demande s'il n'y a pas un endroit où on pourrait s'équiper en vue de ce qui nous attend. Oh, attendez là, j'ai une petite inspiration là pour une musique là. Ah, surtout s'il y a des tautes qui vivent là-dedans là. Oh là là, ça. Ah, ça sent la chanson de ouf. Ah, ça sent la chanson de ouf là. Je suis en train de l'écrire là. Vas-y, peut-être dans le prochain épisode, les frères. Voilà, je vous laisse, hein, je vous laisse.
Mario, Luigi. Vous aussi, vous avez été avalé par Bowser. Ça me rassure un peu. On se sent plus en sécurité quand vous êtes là. Comment? Où sont les autres? Les tantes qui ont été avalées par Bowser se sont rassemblées ici. Ils ont ouvert des boutiques et vendent un tas de choses trouvées dans le corps de Bowser. Mais personne ne vient jamais rien acheter. Rester ici à rien faire, on finit par angoisser. Alors ils ont ouvert des boutiques pour se changer les idées. Vous pourriez aller leur acheter quelques bibelots, ça leur ferait plaisir. Moi, je vais aller chercher si je ne trouve pas quelque chose qui pourrait être utile. Ils ont toujours une voix aussi merveilleuse, ces toads. Hop, ah, ok, on a la boutique champignon, boutique fringue, enfin équipement, et... Ah, Mario, en fait, ici, Toad Bear devait vous exposer ce qu'il a découvert à propos du corps de Bowser. Mais il est parti je ne sais où, et il n'est toujours pas revenu. Ah, je suis très inquiet. J'espère qu'il lui est... Oh, je décède. Ah, je suis très inquiet. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Ah, Mario, bienvenue. C'est pas de chance d'avoir été aspiré dans cet endroit bizarre. Il faut que nous trouvions un moyen de sortir d'ici. Je propose des objets-il. Regardez, ça me ferait plaisir que vous m'achetiez quelque chose. Achetez. Ah là, il y a les champis, il y a du sirop pour la toux, champignons, voilà, on n'est pas dépaysé, c'est toujours les mêmes objets. Voilà, que les anciens Mario Luigi, c'est magnifique. Hop. Et toi, qu'est-ce que... Ah oui, toi, tu nous donnes du thé. Ah, Mario, Luigi, bienvenue. Vous deux aussi avez été avalés par Bowser. Vous savoir ici, c'est rassurant. Vous avez déjà croisé ces étranges créatures, les homoglobines? Il semble que parmi eux, il existe une espèce spéciale. Les homoglobines, comme celui derrière moi, sécrètent un liquide qui ressemble à du jus de fruits. Et quand on le boit, on sent ses forces grandir, et on est complètement guéri. Par contre, le goût est un peu spécial. Ah oui, je suis pas très bon vendeur. Pour deux, ça vous coûtera 10 pièces, vous en voulez? Un petit coup. Oui, bah c'est un peu comme du miel, quoi. PVPS restauré. Sauf que le miel, ça a un bon goût. Mais en vrai, d'où vient le miel? Ça donne pas vraiment envie, en fait, d'en manger. Ah là là. Hall des défis, c'est pareil, je crois. Tiens, des petites voix. Vous êtes venu reposer vos mines dans le hall des défis. Et cet endroit est différent des autres mines. Pour plus de détails, demandez à mes collègues en bas. Si vous les frappez par en dessous, ils voient un contrôle des trucs bien amusants. Et bienvenue dans le hall des défis. Derrière cette porte se trouve la reine de combat. Combattez de puissants monstres pour fortifier votre corps et votre esprit. Et vous deux, pour combattre ici, vous êtes encore beaucoup trop faibles. Bienvenue dans le hall des défis, on a tous les mêmes voix. Derrière cette porte, c'est le comestible tube. Oulala, c'est l'endroit où vivent les comestibles. Très mauvais pour la santé, et un peu comme le cholestérol. Vous deux, vous n'avez pas encore assez d'expérience pour tenter ce défi? Non, pas assez. Entraînez-vous en utilisant des attaques spéciales. Le cholestétube est trop dangereux pour vous. On a vu plus tard, allez vous entraîner. Il faut gagner du muscle pour combattre le cholestérol, le cholestétube. Mario, tu connais une entreprise qui s'appelle Keep Cool. On pourrait peut-être aller là-bas pour gagner en muscle. Bonne annonce, une excitation insoutenable, une émotion indescriptible. Vous êtes les seuls à pouvoir repousser vos limites. The Block 99, bientôt dans ce hall. Revenez voir ici de temps en temps. Ok. En gros, il n'y a rien du tout. Voilà, c'est magnifique. On a perdu notre temps. Os rigolo. Dépotoir. Alors, le dépotoir. Ok.
C'est ce qu'on vient de faire. Alors, il faut aller dans l'os rigolo. Il est rigolo, l'os. C'est à ton droit. Vous voulez bien attendre une seconde? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que par hasard? Mais oui, c'est sûrement ça. Désolé de vous avoir fait attendre. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant par ici. Le mieux, c'est que vous alliez voir par vous-même. C'est par ici. Bah wesh, pourquoi elle voulait pas qu'on voit direct le truc avec elle? Vas-y, elle croyait que c'était les parties intimes de Bowser. Oui, oui, c'est ça. Cette partie qui ressort, elle doit être reliée au système nerveux de Bowser. Si on le stimule, je pense qu'un changement se produira. Okay. Bordel! C'est quoi cette douleur, vain Dieu? Elle résonne dans tout mon corps. Wow! Il s'est rêvé, on dirait! Hé, hey, tu m'entends? Hein, y'a quelqu'un? Et c'est tout? Inutile de me chercher! Je suis à l'intérieur de ton corps! Quoi, de mon corps? Mais c'est complètement ridicule! Hé, hey, t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fiches dans mon corps, hein? Tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé au château de Peach? Le château de Peach? Mario m'a mis une raclée, puis je me suis retrouvé dans une forêt. Et après, je m'en souviens plus. Le trou noir. J'étais bourré! Tu ne te souviens vraiment pas? Il y a un petit plouche qui m'a donné un champignon bizarre. J'ai mangé ce champignon et après... Blackout. J'ai plus. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Et qui t'a permis de te balader dans mon corps d'abord? Il ne vaut mieux pas lui dire qui nous a avalé. Je te parlerai de moi plus tard. Ce serait un peu long. Long à expliquer, ça gonfle les longs discours. Et dis-moi, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ta voix. Ah, vraiment? Dis-moi plutôt où tu te trouves. Yeah, mais c'est vrai ça, on est où ici? Ah, c'est une grotte sombre et lugubre. Mais qu'est-ce que je fiche ici à la fin? Une grotte? C'est bizarre, il ne se souvient pas de nous avoir avalés. Il ne sait pas où il se trouve. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dis, si tu commençais par sortir de cette grotte. Mais c'est exactement ce que j'avais l'intention de faire, figure-toi. Observons ce qui va se passer. Ah, c'est parti pour la première fois. Oh, contrôle Bowser avec les plombiers moustachus dans son corps, voilà. Alors, il peut plus cracher de flammes, je sais pas pourquoi. Ah, c'est bizarre. Ouais, pourquoi je peux plus cracher de flammes? On va peut-être avoir une explication par la suite. Une minute! Quoi? Vous m'entendez, Mario, Luigi? J'ai oublié de vous dire une chose importante. Et quoi, Mario, Luigi? Non, j'ai rien dit. C'était juste ton imagination, je parlais de Mario et Luigi. C'est des collègues qui travailleront pour ton bien. Quoi? Mais je comprends rien. Laisse tomber, je t'expliquerai plus tard. En ce moment, c'est Bowser qui se déplace avec plus Luigi et Mario là. Appuyez sur A ou B pour vous déplacer. Quand vous voulez bouger, appuyez sur A et B. Pour reprendre le contrôle de Bowser, appuyez sur X ou Y. Mais tu parles à qui? Ce sont les personnages sur l'écran éclairé qui bougent. Les personnages sur éclairé qui bougent, je comprends rien là. Essayez pour voir. C'est de la science-fiction. Appuyez sur A ou B.
Tata, bravo, vous avez permuté maintenant, bougez avec plus. Bien, maintenant, on va passer à Bowser. Dis, tu veux bien appuyer sur X ou Y ? Mais qu'est-ce que tu marmonnes depuis tout à l'heure ? Je comprends rien, moi. On va pas y passer l'après-midi non plus, on se bouge. Très bien, bouge ! Ouais, parle-moi sur un autre ton. Parfait, arrête-toi ! Non mais c'est pas bientôt fini à la fin ! Maintenant c'est Bowser qui se déplace avec plus. Si vous voulez bouger à nouveau, appuyez sur un B et redéplacez ça. Pour l'instant, il faut que Bowser sorte de la grotte. Mais bordel, en avant ! Ça fait du bien de se défouler un petit peu. Ce navire, dernier fleuron de la technologie, c'est le millésime. Pour ouvrir la porte, actionnez l'interrupteur situé sur le mât à gauche. Si vous ne parvenez pas à atteindre l'interrupteur, lancez quelque chose dessus. Ce n'est pas avec un petit bloc que le navire se brisera. Ah, oh, je me suis loupé. Rêve un dieu. Non mais c'est pas possible. Rêve un dieu. Ah voilà. Bon. Ils ont pas bientôt fini de mettre des rochers partout là. Trop fastoche. Je vais te brûler ça avec mes flammes, dont d'un petit coup pas. Ah. Mais rien ne sort. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? J'arrive plus à cracher de flammes. Et toi dans mon corps? Oh, tu m'entends? Y'a un souci? Un souci? Un peu, mon neveu. J'arrive plus à cracher mes célèbres flammes. C'est toi qui as trafiqué un truc dans mon corps, hein? Bah non, j'y suis pour rien. Mais c'est justement depuis que t'es entré dans mon corps. Je ne vois pas qui d'autre pourrait en être la cause, là. Rends-moi vite mes flammes. Mais c'est pas moi, je te dis. Et pourquoi je voudrais que tu ne craches plus de flammes? C'est pas logique, ton truc. La ferme, moi, réfléchir, tout ça, ça a jamais été mon truc. Tout ce que je sais, c'est que je suis dans le pétrin, là. Et moi donc, ça m'amuse pas plus que toi. Pour l'instant, débrouille-toi sans tes flammes. A plus. Eh mais elle me laisse pour, comme une vieille chaussette. Ah, la garce. Si je ne peux plus cracher de flammes, tu me le paieras. Et ma vengeance sera terrible, et ça chauffera pour toi. Mais c'est quoi ce machin? Oh, je sais pas, ça fait des toiles. Bon, c'est joli, hein. Ouais, trop facile. Hein? T'es qui, toi? Garou, comment l'as-tu déjà oublié? Ah, je m'en souviens. C'est toi qui m'as fait manger ce champignon bizarre. C'était vert et délicieux, n'est-il pas? Son nom est le champignon aspire, un champignon qui aspire de tout. Et c'est moi, Glaucout, qui l'ai conçu. Je suppose que tu ne te souviens de rien. En plus, en voulant aspirer un tas de trucs, tu t'es évanoui. Et je t'ai enfermé dans cette grotte. Quoi? Mais j'ai cru que j'avais trop bu la veille. Alors c'était pas la gueule de bois. Bravo! Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? T'as une dent contre moi? Une dent? Non, j'ai encore toutes mes dents. Admire-moi sous les grands yeux. Je n'ai pas de mots pour décrire cet humour. La seule chose que je veux, c'est... le royaume champignon, il sera mien. Ah oui, le royaume tout entier sera mien. Si j'ai déclenché l'épidémie de Boubil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 oub
Si je te manipule en te faisant manger le champi à spi, tout ça c'est pour le réaliser mon plan diaboliquement génial. Mais t'es encore plus maboule que moi. Pour le conquérir le royaume champignon, je vais d'abord m'emballer du château de Peach. Et ensuite, je prendrai aussi le château de Bolzen. Puis je l'énerverai pour en faire un château à la gloire de Blankowitz. Oui, c'est moi. Oula, mon mignon, attends, château de Bowser. Eh bien, attends, Bowser, c'est moi. Eh, si tu oses toucher un seul cheveu de mon beau château. Tu me fais bien rire. On ne prend pas mon château aussi facilement. Nous verrons bien. N'empêche, je croyais que tu l'oubliais plus longtemps. Mais tu vas bien gentiment te donner 2000. Hé, Metaboss. Hep, 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 j'en ai pas encore fini avec toi. On n'a plus besoin de toi, Minuche. Je vais te donner une leçon. Et dégage, tu manques pas de culot, gros cochon, pour me défier. Monsieur le cochonnet en rut. Quoi, du culot, c'est quoi ça? Ça se mange. Rien que le nom, ça me donne pas envie. Eh ben, on dirait que t'es une sacrée flèche, toi. Même pas, en vrai. Et puis, écoute-moi bien. La princesse Peach, puis, fini. Le royaume, il appartient à Maître Graukowicz. Du coup, tu ne sers plus à rien, vu que ton château est à Maître Graukowicz aussi. Alors, tu vas nous faire un long dodo. Quoi ? Je comprends rien à ce que tu racontes. Une chose est sûre, tu me cours déjà sur la carapace. Tu vas voir ce qu'il en coûte de me mettre en rogne. Metaboss, prends garde à ces coups de poing. Metaboss, il arrive. Plus il charge ses coups de poing longtemps, plus ils sont puissants. Si tu subis un de ces coups de poing chargés au maximum, ah, rien que d'y penser, ça fait mal. Alors, si la pression est autour d'un des moments, ça va faire très mal. Non. Il ne faut surtout pas qu'il appuie sur X maintenant. Wacha, mais il est complètement débile ce grand Covid. On va dire que c'était un boss rendu plus loin que moi dans la saison 1 là, mais vas-y là. Vas-y. Ah, c'est cool de pas charger au maximum ce télévion. Si seulement il est chargé plus longtemps. J'ai chargé trop longtemps, il échouerait. Fais attention à ces cool de pas charger au maximum. Mais la boss, à toi d'attaquer maintenant. Il ne faut pas qu'il appuie sur X maintenant. Ah, fou, ces coups de poing sont vraiment terribles. Non, mais t'es un très mauvais dresseur de Pokémon. Quoi? Le Pokémon? Tes oncles? Marie-Bonjour, je n'imaginais pas que tu serais si folle. Mais je n'ai pas conscience que tu pourras vaincre Metaboss. Metaboss, règle-lui son compte et il rentre à la maison. Je vais rentrer à ma maison. Et qu'est-ce qu'il joue là? Il joue à quoi? À cause de ce champion bizarre, je me sens pas bien. Si ça continue, je vais perdre. Bon. T'es faiblard. Vraiment trop faiblard. Comment? Pas la peine de te porter le coup de grâce tellement t'es une larve. Et toi, dans mon corps, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ce Graukowicz risque de nous causer beaucoup d'ennuis. Bah moi, je retourne à mon château. Hein? Mais non! Il faut aller au château de Peach, ne retourne pas à ta maison!
Je veux aller au château de Peach. Hey, c'est pas marqué taxi sur mon front, pigé. Mon château est en danger. J'y retourne de ce pas. Pas question que l'autre zigoto prenne mon beau château. Oh, très bien. Comme tu voudras. On n'a pas le choix. Il va falloir voir ce que fait Bowser. Peut-être qu'il y aura des changements dans son corps. Ouais, le seul changement qu'il y aura dans mon corps, c'est les muscles. Je vais en gagner en détruisant tous ses ennemis. Purée, cet arbre. Alors, si seulement je pouvais cracher les flammes. Ouais, arrête les McDo, sale Goomba. Non mais... Goom Grolard, c'est toi? Ah, tu as grossi depuis que je t'ai vu. Ah, bordel, mais pourquoi? Pourquoi vous êtes devenu si faible? Kraukowitz vous a donné des sucettes ou quoi? Allez, réveille-toi. Ah, et toi, Goom Gwendal? Ah, mais c'est pareil, tu es aussi gros. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est un véritable dépotoir, Goomba. Un Goomba mangeant trop au McDo. Faites un peu de fractionné, vin dieu. Ah, purée, il m'a eu quand même. Oh, wesh, pour la première fois, évolution d'un méchant. Et ça, c'est stylé, frère. Oh, voilà, évolution du Bleu-Eye. Hey, ouais, j'étais juste un peu sonné dans la saison 1, là. Arrête de m'appeler comme ça, toi. Oh, vas-y, calme-toi, là, frère. C'est moi qui peux choisir les caractéristiques. Hey, les caractéristiques de quoi, là? Tes caractéristiques à toi. C'est moi qui fais évoluer tes caractéristiques, là. Attention, là, je parle la France. Vas-y. Quoi? C'est moi qui ai le droit d'avoir le choix sur tes caractéristiques, donc je peux choisir ce que je veux. Et donc, en fonction de mon humeur, là, vas-y. Ah, ça se trouve, je vais te mettre un truc inutile, là. Je vais te mettre la vitesse, là. Non, fais pas ça. Ou la corde, là. Non, attends. Je vais pas faire du shopping à chaque fois, moi. Ah oui, c'est vrai que les cornes, c'est pour avoir des meilleurs prix. Ouais, mais bon, ça, c'est vraiment nul, en plus. J'ai envie de te mettre ça, là. Vas-y. Ouais, non, arrête. Bon, allez. Un peu de respect, là, vas-y. Ah, parce que je suis magnanime aujourd'hui. Et puis aussi, surtout, tu me fais pitié, là, vas-y, t'as tout perdu, là. T'es en train de perdre ton château. Quoi, mon château? Mais non, j'ai juste y retourner, je vais le récupérer. Ah, tu n'es pas au bout de tes surprises, hein, mon vieux. Allez, petite attaque en plus. Quoi, mais... Que un? Ah oui, que un, hein, vas-y, je me suis trompé, frère, c'est pas grave, hein, mais... Bah, la prochaine fois, on fera mieux. Ouais, c'est ça, t'as fait exprès. Allez, dégage. Et toi, le gros, là? Ouais, c'est à toi que je parle. Hein? T'es où? Ah, inutile de me chercher, je suis pas là, mon gars. Pour faire simple, je suis la voix du ciel. Si tu préfères, ta conscience. En gros, je parle directement à ton esprit. Il se trouve que t'as attiré mon attention. Je peux te parler une seconde. Et jamais tu t'arrêtes de raconter ta vie, toi! T'es vraiment pas fut-fut. La colère t'apportera rien. Où que tu sois, je te fermerai toujours ton grand bec. Bah, ça suffit! Mais je t'en veux pas. T'as attiré mon attention, c'est assez rare, petit gars. Je vais donc te révéler quelque chose. Bah vas-y, crache le morceau! Essaye de briser ce rocher, là. Ça devrait être facile pour toi. Oui, le v'là, ça c'est un chakra, tu vois. C'est par là que passent les ondes célestes et terrestres. C'est aussi par là que passent les ninjas de Konoha. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Je pige rien, arrête ton charabia. Bah peu importe, touche ce chakra pour voir. Reste immobile, petit gars. Faut surtout pas bouger, mon gars.
si ça devrait être bon. Et c'est parti, mon kiki. Et hop là. Mais c'est là où j'étais tout à l'heure. Pas mal, hein, c'est le pouvoir du ciel et de la terre. Ça t'a envoyé un endroit gravé dans ta mémoire, tu comprends pas? Normal, t'es pas bien fut-fut. Tu te fiches de moi, renvoie-moi où j'étais. Te fâche pas comme ça. Touche encore le chakra. Mais attends, je me souviens aussi très bien de mon château. Tu peux pas me téléporter là-bas? Ça chamboulerait le scénario. Alors continue, non. Sélectionne l'endroit où t'étais et appuie sur X. Et c'est parti, mon kiki. Et hop là. Attends, sérieusement, tu peux pas m'envoyer dans mon château? Non, c'est rigolo, ça t'épate, hein? Bah, mais ignore-moi! Ouais, bon, c'est vrai que c'est marrant! Bien, mais je pourrais me rendre à mon château comme ça, là! Non. Ah, tu n'arrêtes pas de me demander, mais malheureusement, non. Tu peux aller qu'aux endroits où tu as trouvé des chakras. Tu peux pas aller aux chakras que t'as pas encore trouvé. Faut que ta conscience soit reliée, frère. Faut relier ta conscience à l'univers par les chakras. Alors seulement tu pourras t'y téléporter. Ah, trop compliqué. Avec moins de blabla, ça donne quoi? Décidément, t'es pas bien fut-fut. Si tu trouves d'autres chakras, touche-les. Mais tu pourras pas trouver les chakras juste en te baladant. Ils se cachent sous la forme d'ondes d'énergie. Alors ça casse plein de trucs. Mais t'es qui à la fin? Bonne question. Tout ce que je peux te dire, c'est que je suis dans ce royaume. Allez, à plus. Hé! Hey. Ouais, bon. Ben Dieu, une plage! Ça n'a aucun sens! Et il y a deux secondes, j'étais dans une espèce de grotte, après on était sur des espèces de montagnes, là. Et là, on se retrouve dans une plage. C'est aussi logique que ces blocs avec les étoiles qui brillent, là. Bah, décidément, je comprendrai rien, moi. Bon, j'avance sans faire d'histoire. Mais viens par là, toi, là! Arrête de faire le malin avec moi. Hey! Hey, 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 mister! Youhou, mister! Help me! Aide-moi, s'il vous plaît, please! T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Oh, hello, mister! Ce que je fais ici? Look, comme vous le voyez, j'étais en train de nettoyer mon collection. Kalampa mène à le plage à CD, plutôt ennuyeux, n'est-il pas? Mister, je sens que vous êtes un vrai gentleman. Vous êtes nice guy, qui vient toujours à la secours de la veuve et de l'orphelin, right? Mais tu parles pas la France, toi! Enfin bref, pas de bol pour toi, c'est tout le contraire. Et là, je suis pressé. J'ai pas le temps de m'occuper de toi. Stop! Attendez, gentleman! Oh, Mister le méchant, si vous préférez. T'as pas bientôt fini de chouiner, non? Ça me rapportera rien de t'aider, hein? Rien du tout! Que dites-vous? Si vous m'aidez, je vous récompenserai grassement. Quoi? Une récompense? Oh, vous êtes intéressé. Wonderful, merveilleux. Je sens une puissante âme bloquesque en vous. Le feu de le bloquesque esprit et brûle en vous. Oh yes! Look, regardez. Pour votre aide, je vous offrirai ceci. Une blague very very rare, qui convient parfaitement à votre ardente et bloquesque âme. Quoi? Mais c'est juste un pauvre bloc.
Oh, comment osez-vous? Ne méprisez pas cette multitude. Bloc. C'est un bloc very rare qui est coté à 1 million de pièces parmi les collectionneurs. Si vous le frappez, c'est magique. Vous serez sûrement surpris par la secret qu'il renferme. Un secret? Bon bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oh, thank you very much, merci. Vous êtes une vraie gentleman, j'en étais sûr. Look, il se trouve que cet îlot flotte sur la mer. Surprising, n'est-il pas? Bien évidemment! Bien évidemment! En tirant de toutes vos forces cette corde sur la plage, tout le îlot bougera. Je dis... Oh, attends, ouais, j'ai oublié mon accent. Tout le îlot bougera. Il faut juste tirer une corde, c'est un jeu d'enfant. Je vais te montrer ma force. Il se passe quelque chose dans le bras de Bowser. Bah, allons dans son bras, hein. Canon brachial. Ou attention, c'est un canon, carrément. Son bras, c'est un canon. Hein. Ce sont les muscles du bras de Bowser. On dirait qu'il réagisse à quelque chose. Bowser doit être en train d'essayer de porter ou de bouger quelque chose. Ça ressemble à un interrupteur. Attention, Mario! Wow, j'ai l'impression que mes forces augmentent. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Les muscles de Bowser ont grossi lorsqu'ils ont reçu un choc. Et si vous essayez de renvoyer ces boules d'électricité? Je vois, quand on stimule le corps de Bowser comme maintenant, il est capable de déployer une puissance extraordinaire. Bah, voilà toute la puissance de Bowser. Le paysage est tout. Comment dites-vous? Sens dessus-dessous. Oh yes. Quoi qu'il en soit, thank you very, very much. Hop, hop, hop. File-moi ton bloc secret à la doigt et que ça saute. Of course. Voici pour vous. Une bloc de la part d'une bloc pour vous me mâcher. Tout à fou. Vous avez obtenu l'aspiro-bloc. Je savais, c'est juste un bloc tout bête, tu m'as arnaqué! Oh non, non! Si vous n'y voyez qu'une simple bloc, c'est que votre... Mauvais accent. C'est que votre blocage âme est encore naïve. C'est un aspiro-bloc. Quand vous le frappez, vous pouvez aspirer tout sur votre passage. Dyson a réinventé l'aspirateur sans fil. C'est une bloc very marvelous qui vous permettra d'aspirer vos adversaires en combat. Aspirer mes adversaires pendant les combats? C'est en aspirant qu'on devient aspirateur. Comme dit le proverbe. Go, affrontez-moi. Alright, laissez-vous séduire par la touche veloutée de cette bloc. Oh yeah, c'est comme une GameCube. Now, allez-y. Bien, let's begin. Commençons, it's showtime, que le spectacle commence. Allez, le aspire bloc, vous pouvez aspirer des small monsters, des petits monsters. Lorsque vous pouvez aspirer quelque chose de... Le aspire bloc réagit. Alright, sélectionnez aspirateur. Please, s'il vous plaît.
It's amazing. Ah oui, voilà la incroyable puissance de la Spielrock. Mister, aspirez-moi en appuyant plusieurs fois sur X. Ah, wonderful. Oh, quelle surprise, deux Mister à l'intérieur de Mister. How are you? But, je dois développer la bloquesque esprit du grand Mister. Je vais devoir retourner à l'extérieur. Ne nous dérangez pas, please. Wow, vous apprenez vite, Mister. You're learning fast. Comme si vous aspirez le savoir. J'ai oublié de vous dire. Lorsque vous aspirez comme à l'instant, vous pouvez aspirer des monstres ou des objets. Vous pouvez même aspirer des monstres qui volent sur le écran supérieur. Et si vous avez du mal à aspirer une monstre, appuyez plusieurs fois sur le bouton. En utilisant l'aspiration, des combats very hard pourraient devenir plus faciles. Pendant les combats, gardez toujours un œil sur l'aspiro block. Oh yes, encore une chose. C'est quoi ce bidule? C'est un objet unbelievable, incredible. On l'appelle horloge de deuxième chance. Lorsque vous avez une horloge second chance et que vos PV tombent à zéro, le temps remonte au début de le combat. That is so say. Vous pouvez le recommencer. And of course, vous récupérez les objets que vous avez utilisés. De plus, vos PV et vos PS sont restaurés à le maximum. Rassurez-vous, bots et horloges sont limités en nombre. Alors n'en abusez pas. No. Utilisez-les avec parcimonie, please. Je vous offre celle-ci en gage de ma gratitude, Mister. Right, votre bloquesque esprit devient de plus en plus parfait. Continuez comme ça. 1, 2, 3. Yes, je sais compter. Ah, mais bordel. Oh, mais j'étais pas sûr, mais c'est un boss en fait. Vas-y, je vais faire mon commentaire, alors vas-y. Bowser est en train de combattre ce bloc mystérieux là. Qui parle comme un véritable gentleman. Qui ne sait pas parler la France aussi, hein. C'est peut-être un espagnol ou un allemand, je sais pas moi. Ah, je suis pas bilingue. Oh stop, c'est ok. J'ai pu admirer votre bloquesque esprit. Le combat est finish. Oh, vas-y. Ah oh, mais ça c'est de l'XP vraiment durement gagné, Mario Luigi là. Vous avez rien foutu du combat, frère. Ah, vous apprenez vite les plombiers. Hein. Ah, vous utilisez la même technique que moi. On va gagner avec disgrâce. Ah, je veux dire avec classe, hein, évidemment, avec classe. Alors pour ça, je vais essayer vraiment de vous faire un plus 5, parce que là, vous le méritez. Oh, vas-y. Bon, ça va, c'est 2. Ah, c'est 2. Il est content, Mario. Il est toujours content. Maintenant, à Luigi. Oh yes! Ah, mais par contre, il fait encore tomber sa casquette. Oh, what is? Que pensez-vous de la couleur, de le lustre, de la texture, de la Spirit Block? Plutôt impressionnante. It's amazing, n'est-il pas? Un jour, vous aussi, vous deviendrez un vrai collectionneur de blocs. Sur ce, je vais prendre congé, Mr. Gentleman L'Aspirateur. See you next time. Ok, salut.
Ah, wesh, deuxième évolution de Bowser. Bon, attention, là, il est niveau 3. Qu'est-ce qui se passe? Il va peut-être avoir quelques points bonus sur les PS, là. Quoi, mais je m'en fiche des PS. J'ai aucune attaque avec les PS, là. Ah oui, pour l'instant, t'as pas d'attaque PS. Mais plus tard, t'en auras peut-être. Alors, c'est quand même assez important. Ah, ou alors on peut quand même continuer sur l'attaque. Hein. C'est vrai, je peux me rattraper par rapport à tout à l'heure. Ah, la défense, peut-être que la défense. Ah non, allez, on va faire l'attaque. Bon, ah, ça passe. Et voilà comment s'achève cet épisode. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Alors oui, c'est un épisode plus cool, hein. Voilà. L'épisode 1 était un peu plus foufou. Là, on a eu un épisode assez calme, voilà, on est dans la plage, la playa. Ça avance petit à petit, mais bon, à son rythme, tranquillement. Mais que se cache-t-il, par contre, derrière ce temps de chargement? Eh bien, vous le saurez évidemment dans l'épisode 3 de Super LOL Saga. À la revoyure pour de nouvelles aventures. Ha ha ha!